Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. On va parler de culture ce soir et singulièrement de la culture urbaine. Le hip-hop, le raga, ça vous parle? Ça parle à notre jeunesse et pour en parler ce soir, nous recevons Michel Mado, conseiller départemental, président du développement culturel au conseil départemental. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation pour parler de rendez-vous. Je sais que ça vous tient à cœur, oui, qu'on mette en avant toute cette expression de notre jeunesse à travers la culture urbaine. Ça y est, ça trouve sa traduction avec Vibrasson. Vibrasson, rendez-vous qui devait avoir lieu le 20 octobre. Les aléas climatiques, oui, ont fait que voilà, on déplace. Et c'est une belle manière de commencer l'année avec ce rendez-vous formatif, pédagogique, avec un certain nombre d'ateliers autour des musiques hip-hop, reggae, dancehall. Et un bic à parole aussi, justement, où on pourra échanger, une mini-conférence avec des professionnels, oui, et les artistes présents et d'autres artistes qui viendront participer. Et ponctuer d'un open mic, concours de prestations vocales sur un titre. Chacun, il amène son titre. On a une vingtaine de candidatures, donc ils vont vouloir performer. On va choisir le meilleur, les deux meilleurs. Ouais. Beau rendez-vous. Et on finit en beauté avec un concert de 14 à 22 heures. Quoi. Ça va être un beau rendez-vous au Pays de la Canne le 20 janvier. Ouais, une formule un peu tout compris, j'ai envie de dire, parce, oui, qu'il ne s'agissait pas pour vous de faire simplement un concert à offrir à notre jeunesse, mais également les aider à mieux appréhender le métier qui pourrait être le leur demain autour de la création musicale, de ce type de création musicale. Voilà, et pour certains, ils ont déjà le pied à l'étrier, oui, qui font de la musique depuis quelques années, mm-hmm, et je crois que c'est l'opportunité pour eux de cadrer aussi bien administrativement que juridiquement. Ça veut dire qu'on va avoir des conseils sur place, voilà, des on personnes aura qui vont vous donner des infos, comment créer une entreprise, exactement, comment gérer sa carrière aussi, sa carrière, la protection des compositions, droits, ouais, les droits intellectuels, aussi le contrat. On aura, ouais, Jean-Michel Gabriel, un avocat spécialisé dans la contractualisation, le statut de l'artiste aussi, qui sera là, qui travaille avec les majors, donc il connaît vraiment le fonctionnement. Il a travaillé avec des pointures, Admiral et bien d'autres. Donc aujourd'hui, je crois que tous les éléments sont là pour structurer le métier. Et au-delà même du divertissement ou de l'aspect purement festif, prestation scénique, ben, il y aura tout cet accompagnement pour que des artistes puissent avoir les bonnes billes, comment se structurer, comment se déclarer, savoir qu'est-ce qu'un contrat de travail. Et puis aussi, quand on part faire un rendez-vous média, ben, comme celui-là pour l'artiste, ben, il faut qu'il sache qu'il est dans le plan d'une prestation. Donc c'est un contrat, c'est un service, oui, qu'il fait. Ça doit être payé, donc il y a un cadrage, assurance, administratif et tout. Donc, après, ça, c'est ouvert gratuitement, on le rappelle, oui, à tout le public, hein, du côté de Beauport à Port-Louis, on l'a précisé, le samedi 20 janvier, dès 9h du matin. Dès 9h du matin, tout est gratuit, il y aura aussi des espaces de restauration. Donc j'ai envie de dire, la capitale de la culture hip-hop, dancehall, reggae, ouais, ben, ce sera Port-Louis, ce 20 janvier. Et c'est bien, parce que toutes les générations vont s'y trouver, vont se retrouver. Oui, on a Génération Ragamuffin, ouais, qui, avec Billy the Kid, Sista Chad, je pense à Boubou, donc ce sont les pionniers de ce mouvement aussi. Saïdès, qui est un senior aussi, qui, oui, est un patron. On a Smiley, et respect pour Smiley, ça fait des années qu'il est dans le reggae. Vraiment, là, c'est que pour la partie reggae. La partie dancehall, on a Chris, Admiral, que des valeurs sûres. On a la nouvelle scène, Warped, Drexy, Mata, Pondy Mike, Tensi. Donc je crois que toutes les générations vont se retrouver. Et elles auront chacune leur star, leur artiste, et puis chaque artiste aura son public aussi. Et ça peut être formidable. Et c'est peut-être là où vous jouez pleinement votre rôle de moteur de la culture guadeloupéenne. Je parle du conseil départemental, de montrer que quand on voit toutes ces générations qui sont succédées dans un style musical, ouais, qui a évolué également, qu'il y a de la créativité en Guadeloupe et que vous voulez soutenir cette créativité-là. Alors, à deux niveaux, effectivement, ouais, soutenir la créativité, offrir les opportunités de prestation, de performance. En même temps, quand on parle d'industrie culturelle et créative, c'est-à-dire qu'il y a tout un business qui doit être, oui, fait autour. Il y a des métiers satellites, des métiers partenaires. Et là, donc, c'est aussi l'opportunité de les allier, de rallier. Mais au-delà de ça, hip-hop créole, reggae, dancehall créole, ben, c'est notre patrimoine maintenant. Et quand je vois de la manière avec laquelle la culture guadeloupéenne a pu irradier les scènes artistiques internationales, ben, je me dis que c'est l'opportunité aujourd'hui de mettre en avant ce qu'on sait faire, de mettre les piliers en avant, les pointures d'il y a 20-30 ans. Et donc c'est devenu notre patrimoine musical aussi à nous. Oui, et puis ce sera le patrimoine musical des générations à venir. Exactement, où chacun se retrouvera. Hein. Absolument. Ouais. Ce qui veut dire que Vibrasson ne va pas être un one-shot. Non, ouais, non, non. Mais là, de fait, nous,
est obligé de songer en Vibration 2. Il y a quelques artistes qui n'ont pas pu être présents là pour des questions de planning et d'autres organisations. Donc c'est tout à fait normal qu'on puisse les retrouver pour une seconde édition l'année prochaine. Est-ce mais que c'est beau pas Paris. Aussi une façon de casser également tout ce qui peut être mauvaise image autour de ces musiques. On sait que parfois, dans l'actualité, malheureusement, c'est relayé comme tel. C'est pas forcément le cas. C'est véritable expression artistique. Hein. Ben, en l'occurrence, tous les artistes qui seront là ont des messages positifs qu'ils distillent. Et au-delà de ça, c'est une musique qui a réussi à s'émanciper elle-même. Ces artistes ont pu s'émanciper eux-mêmes. Et qui a trouvé son public. Voilà, vraiment. Et ils étaient dans un système underground avant. Et assez bizarrement, ben, ils ont pris le dessus et ils sont, pour paraphraser Zébri, ils sont overground maintenant. Ouais. C'est eux qui drivent tout le monde. On peut l'entendre, le constater sur les radios. Exactement. Place, maintenant, ce sont les radios, ce sont les médias qui vont chercher ces artistes-là à l'époque où ils avaient leur public qui était en bas fait quelque part. Ouais. Et donc, c'est une très bonne chose. Et je crois qu'aujourd'hui, aussi bien le gros cas que reggae, dancehall, hip-hop, créole, on peut dire que ce sont des musiques qui se sont émancipées elles-mêmes, sans grand appui médiatique, sans grand financeur ou grande maison de production derrière. On avait les jeunes de l'époque, des jeunes de l'époque. Exactement, les sound systems qu'on faisait, avec nous ou ailleurs. Et je me dis, mais même quand on voit comment Guy Conquête, lui, est parti bien avant d'autres groupes de Zouk ou autres, parti jouer dans les zones européennes qui n'étaient pas créolophones, eh bien, je me dis vraiment, aujourd'hui, il y a un dénominateur commun dans la culture hip-hop, dans la culture Goka, c'est ce côté marron, ce côté casse-code où on n'obéit à aucune règle sinon que la liberté elle-même, la liberté artistique, la liberté de créer, la liberté dans les textes et la puissance des textes aussi. Et donc c'est vraiment un rendez-vous qui pour moi tombe de sens et ça nous met à l'aise dans notre prérogative au département. Quoi. C'est une façon aussi de dire que cette expression-là, cette jeunesse-là peut s'exprimer dans un cadre bien défini, avec toute la sécurité qui va avec. On a entendu malheureusement des organisations un peu marron, comme vous disiez, qui... Là, c'est cadré. Au niveau sécuritaire, la jauge, on n'a pas fait venir 5000 personnes histoire de remplir au maximum. Le nombre de billets limité. Même si c'est une manifestation gratuite effectivement. Pour des raisons de sécurité, justement, on ne peut pas entasser tout le monde. Et puis, Saki Pavine, là, qui est là pour Vibration 2, il n'y a pas de problème. Mais aussi, il s'agissait pour nous d'avoir un vrai espace, vrai espace convivial où il y aura des espaces de restauration, il y aura l'espace de concert, il y aura... Pour vraiment être complet dans la culture hip-hop, il y aura une zone de graphes aussi, de graffeurs, il y aura des prestations de danseurs aussi. Okay. Donc tout est réuni. Pour que ce soit un écosystème. Voilà, vraiment. Des musiques urbaines qui va se retrouver. Exactement. C'est un vrai village où on va pouvoir avoir des espaces de vie autour du rap, dancehall, reggae. Mais finalement, vous répondez à une demande de ces artistes-là, de ce public-là, d'avoir leur terrain d'expression. Vibration a peut-être. C'est un coup de boost. Ouais. C'est un vrai coup de boost pour eux et de pouvoir les mettre au même piédestal que n'importe quelle autre musique, n'importe quelle autre culture. Et comme je le dis, c'est un vrai patrimoine musical et artistique aujourd'hui. Quand on pense à des gens comme Wervana, Admiral et Chris même, qui ont signé en major et qui ont fait des belles heures de la musique populaire même, donc on peut dire quelque part, on a touché du doigt quelque chose de formidable. Et aujourd'hui, ce sont des exemples après pour ceux qui viennent derrière, qui luttent avec leurs moyens et qui ont des scores très honorables, aussi bien dans l'estime que les ventes. Allez, je veux vous titiller un peu. Oui. On pourrait imaginer que Vibration devienne le festival phare de la Guadeloupe dans quelques années. Ah, non, pourquoi dans quelques années? On va dire que dès samedi, ça le sera déjà, quoi. Oui, je veux dire, sur son rayonnement international, ça peut donner des idées, en tout cas. Oui, alors, en même temps, ce qui est intéressant, c'est un plateau, une organisation 100% Guadeloupe. Local, Et ça, je tiens à le dire, c'est aussi la preuve qu'on peut organiser des choses pour nous-mêmes, avec nos propres moyens et de manière très saine, j'ai envie de dire. Donc là, avec un public qui se respecte, avec des artistes qui se respectent et qui respectent leur public aussi, qui jouent le jeu, on n'a aucun problème d'ego à ce jour. Il n'y a que de l'enthousiasme, de l'engouement à ce rendez-vous collectif. Et naturellement, Vibration va s'imposer comme le rendez-vous de la culture hip-hop, reggae, dancehall. Et pourquoi pas, parce qu'on a cette sensation, cette volonté en tout cas qui vous anime de donner ce boost, comme vous disiez, à la culture Guadeloupe d'une manière générale, on le voit aujourd'hui avec Vibration. On tisait doux également de valoriser les anciens également. Chaque mois, le conseil départemental a un point d'honneur à mettre en avant, à glorifier, à honorer un acteur culturel, quelqu'un qui une force discrète et une force humble, parfois timide. Et c'est vrai qu'on avait Ernest Pépin, Léna Blou, Anzala, Alex Nabis. La semaine prochaine encore, on a une actrice guadeloupéenne qui nous tient à cœur. Je ne dirai pas son nom, mais tout le monde verra qui.
Franchement, je crois qu'on est, on est droit dans nos bottes aujourd'hui. Vibration pour ce qui est des musiques hip-hop, reggae, dancehall, une expression. Schwarzbart également. Schwarzbart, voilà, pour le public de jazz. Avec là, l'idée aussi toujours de transmettre. Voilà, chose, avec les masterclass. Ouais. Je crois qu'il faut laisser des traces et pas seulement venir performer, prendre le cachet et partir. Ouais. L'artiste, s'il n'y a pas cette transmission. S'il n'y a pas cette offrande, ce fameux souci de la postérité, ben je crois qu'il a raté quelque chose. Et aujourd'hui, tous les artistes avec lesquels nous travaillons, ben ils ont compris ça et s'inscrivent dans la démarche. Jacques Schwarzbart, par exemple, qui sera notre référent avec l'école, l'Institut de Berkeley aux États-Unis, qui va faire une passerelle pour que des jeunes Guadeloupéens partent s'instruire à Berkeley aussi. On a une grande manifestation que l'on prévoit au mois de mai pour Michel Rovellas aussi. Oui. Et là, pareil, après l'exposition qui va durer 4 à 5 mois, nous aurons des expositions itinérantes. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on laisse des traces, qu'on interagissent aussi avec les scolaires. Et qu'on rende accessible, oui. Voilà. Et là, pour Vibration, par exemple, nous aurons des associations, des écoles de danse qui vont participer, performer pour la partie danse hip-hop aussi. Et c'est comme ça qu'on crée le vrai schéma départemental en valorisant, sensibilisant tout le monde et en intégrant tous les acteurs dans ce que l'on souhaite être une vraie économie, une vraie industrie de la culture. Quoi. Alors, vous l'avez noté, le rendez-vous, c'est ce samedi 20 janvier à Beauport, à Port-Louis. C'est dès 9h du matin, parce que certes, il y a la partie concert, mais avec des places limitées, si on peut comprendre, pour les raisons de sécurité. Mais participez au village, allez découvrir. Quand vraiment, même, le matin, et ce sera, alors pour ceux qui n'ont pas la chance de venir jusqu'à Port-Louis, qui n'ont pas l'opportunité, ce sera retransmis sur les réseaux sociaux du département, sur le Facebook Live du département. Donc on pourra suivre au loin, prendre des notes éventuellement pour la partie des échanges avec les partenaires bien institutionnels. Oui. Et il faut qu'après cette manifestation, que le jeune ou moins jeune qui décide de faire de cette musique son métier, mais qu'il soit à l'aise, qu'il ait les billes administratives et juridiques pour mieux se lancer. Quoi. Et le plateau est formidable, je rappelle encore, oui. On passe de Pondy Mike, Mata, Tensi, S-Wise, Joella, Smiley, Génération Agamuffin. Il y a du beau monde, Admiral, Sadik, Syke, Wervana, Drexy, Warped. Ouais. Ouais, quand on entend ça, ça pourrait faire pâlir certains organisateurs. Ce vrai beau plateau. Un très beau plateau. Oui. Merci à vous, Michel Mado, de nous avoir parlé de ce Vibration, première édition, on l'a dit, ce 20 janvier à Beauport, à Port-Louis. Merci de nous avoir suivis et excellente soirée.